La première réponse que j'ai envie de faire, c'est que la garantie constructeur s'applique à une machine qui a des caractéristiques bien précises. Si on modifie ces caractéristiques, automatiquement la garantie ne peut plus s'appliquer. Le deuxième point, c'est que comment un constructeur peut se permettre aujourd'hui d'établir un cahier des charges d'une machine si l'utilisateur, lui, derrière, peut se permettre de modifier ce cahier des charges? À mon avis, c'est totalement incompatible. Alors, reste un point, la réglementation. Aujourd'hui, on parle par exemple de vitesse. La vitesse en France est de 40 km/h, dans certains pays, elle est de 65 km/h. Uniquement en modifiant le réglage d'un paramètre, on peut passer un tracteur à 65. Est-ce bien sérieux lorsqu'on a du matériel derrière qui n'est pas capable de rouler à plus de 25 km/h dans certains cas? Je pense que quelque part, il faut que chacun prenne ses responsabilités et ne fasse pas n'importe quoi.